Bonjour mesdames et demoiselles et messieurs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2022. Félicitations d'abord à tous ceux qui comprennent Shinsu et félicitations à tous ceux qui achètent la crypto-monnaie Shinsu. Ici, le DRDV. Je suis dans mon compte principal. Non, dans mon deuxième compte. Au niveau de mon deuxième compte, vous voyez que mon chiffre d'affaires ici est de 37 600 dollars. Alors, à ce niveau-là, dès que je vais atteindre 50 000 dollars ici, je vais recevoir 5 000 dollars cash et chaque fin du mois, je serai payé à 500 dollars pendant les 8 mois. Donc, moi, mon objectif ici, c'est de me battre toujours dans la prospection. Je continue toujours à parler de Shinsu auprès des tiers. Dans ce compte-là, j'ai 839 clients. Alors, ce que je vais faire dans la vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour convertir ces pièces en USDT. Alors, la conversion consiste tout simplement quelqu'un qui, par exemple, a de l'argent ici, mais qui veut acheter la pièce et converti, l'argent viendra tomber là. Voilà. Maintenant, pour convertir, on fait comment? On clique sur les trois traits. Et on vient ici. Là, on a dit convert coin. Je clique dessus. Je viens, je clique sur convert. Ici, ça veut dire que je suis en train de convertir mes pièces en USDT. Donc, ça va directement dans le portefeuille qui est destiné à faire les achats. Je viens ici. Je clique là. Je mets 11, 9, 4. 6, 5, 6, 3. Donc, ici, je vais convertir 14 dollars. Je clique sur Submit. Vous avez vu que j'ai fait le nécessaire de convertir 14 dollars. Je viens ici, sur les 15 dollars que j'avais. J'ai ajouté 14 dollars dessus et donc du coup j'ai maintenant 29 dollars dans ce compte-là. Ça veut dire que ici, si j'ajoutais par exemple 31 dollars, j'aurais 50 dollars ici et automatiquement je peux acheter mes pièces chez soi. Voilà comment on fait pour convertir vos pièces en USDT. Voilà. Donc ça vient tomber ici. Et ici, je vais ajouter un peu de pièces et un peu d'argent et j'achète la crypto-monnaie Shinsu. Alors, au passage, je dirais tout simplement à tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur crypto-monnaie, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore 1 milliard de pièces. Vous voyez, par exemple, dans ce compte-là, j'ai 900 millions de pièces Shinsu dans ce compte-là. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Il me faut encore acheter et acheter pour atteindre au moins 1 milliard de pièces dans ce compte. C'est pour cette raison que je n'arrêterai jamais d'acheter Shinsu. Est-ce que vous avez compris? Regardez sur ma chaîne YouTube, il y a un business qui s'appelle Streak. Si vous êtes intelligent, allez vous inscrire et acheter cette crypto-monnaie aussi et développer ce business-là. Parce que dans Streak là-bas, vous êtes payé à vie. Chaque mois, vous avez un salaire qu'on appelle le pool bonus. Alors là-bas, pour rentrer dans le plan de carrière, afin de bénéficier de ce salaire-là, il te faut réaliser un chiffre d'affaires de 25 000 dollars. Vous voyez ici, j'ai 37 600 dollars, non? Si c'était là-bas, j'étais déjà devenu salarié. Chaque mois, je suis payé. On est limité. Il n'y a pas de date précise. Tant que l'entreprise fera son chiffre d'affaires, je serai payé. Voilà, donc moi je vous présente les opportunités d'affaires. Donc chacun de vous est libre de voir s'il va faire ou s'il ne va pas faire. De mon côté, tout ce que je pourrais vous dire, que Dieu soit avec vous. La suite au prochain numéro, ça va aller. Et n'oubliez pas d'aller augmenter vos pièces chez soi. Augmenter vos pièces chez soi, la vie est une question de choix. Vous-même, vous voyez, moi-même je suis là en train d'envoyer de l'argent ici. Parce que j'ai une vision. Sinon, si j'étais pressé comme vous, je devais faire quoi? Je devais faire les retraits des 29 dollars là. J'ai compris ce business. C'est pour cette raison que je continue toujours d'acheter et acheter mes pièces chez Suisse. La suite au prochain numéro, que Dieu puisse bénir tous ceux qui ont cru en cette opportunité. Ça va aller. Mais j'ai dit ça va aller. Allez, bon début de mois d'août à tout le monde.